Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu un peu bizarre, hein. Voilà, c'est une démo concept, attention, c'est Rides with Strangers, qui signifie faire de l'autostop avec des inconnus, et apparemment c'est un genre de jeu un peu bizarre, voilà, qui est sur Kickstarter, les gens ils veulent de l'argent et tout, et on va voir ce que ça donne. Apparemment on est Elora, et on va à un entretien très important, quelque part. Mais notre voiture tombe en panne et on n'a rien pour... Il n'y a pas de taxi ni rien, on est au milieu de nulle part. Et donc voilà, on doit faire de l'autostop avec des étrangers complètement inconnus pour arriver à notre destination. Mais attention, on ne sait pas qui c'est. Enfin voilà, c'est étrange. Ça va faire... je sais pas si ça fait peur, mais... Donc là, on est en mode... autostop. Et donc, je dois monter le pouce pour attirer les gens. Enfin voilà, vous comprenez, non? Je sais pas parler. Oh punaise, je comprends déjà rien, il y a trop de trucs, quoi. Quand une voiture s'approche de vous, vous devez être près de la route et s'assurer que le conducteur vous voit. Une fois que le conducteur vous voit, vous pouvez zoomer et placer l'icône de l'œil sur la voiture. Une fois que l'œil sur la voiture se transforme en œil blanc, alors vous entrez en mode Hitch. Et là, il faut appuyer sur espace une fois que le truc blanc se transforme en truc vert. Mon cerveau va exploser. On va essayer, on va voir comment ça marche, hein. Mais je vais tout fou, là. Oh, c'est pas fini, quoi. Non, mais on est en 2016, maintenant. On y a plus à lire des écrans pendant 10 ans pour comprendre comment jouer. Donc, voilà, j'ai des sous-actions et un sketch meter, une distance meter. Click on speed limit signs to make the ride faster. En plus, il faut dire au mec que c'est limité à 65 et tout. Faut garder un œil sur le gars. Faut appuyer sur A. Ça l'empêchera de nous attaquer à chaque fois que l'on le regarde. Quoi ? Ah, donc le mec, je ne peux le regarder qu'un certain temps parce qu'il y a une jauge. Et je peux me jeter de la voiture, un truc du style. Prenez du bon temps, have fun. Waouh, j'ai vachement de have fun. Ça fait 4 minutes que j'ai des écrans d'instruction. Attention, c'est parti, c'est bon. Mon dieu, on est en Hitch mode. Alors, en plus, ouais, j'ai mis les commandes, mais je sais pas s'il va pas y avoir un bug, en fait. L'avez-vous vu, en plus, genre, qui paye des pancartes comme ça, aussi énormes, pour dire, avez-vous vu quelqu'un? Bon, bah, y a pas de voiture, c'est cool. Moi, je suis en Hitch mode. Ah, d'accord, je ne peux pas aller très loin. En fait, je peux zoomer. Genre, alors, je comprends rien avec l'icône, mais c'est pas grave. De toute façon, on va rentrer dans cette voiture, les gens, parce que j'ai envie de tester le jeu. Voilà, je zoome. Ah, mais je ne peux plus zoomer, d'accord. Je mets dans le... Je comprends rien! Alors, comment il a fait pour pas me voir? Je suis un joueur tellement pitoyable, je vais même pas réussir à monter dans un véhicule, vous allez voir. Moi, je fais du hitching au milieu de la route. Je me souviens déjà même plus de la touche, là. C'est quoi la touche pour... Ah mon dieu, j'ai un corps. Ouais, j'ai des trucs. Mais je peux pas monter le... Oh, c'est genre il me voit ou je sais pas quoi. Mais je peux plus zoomer. Mais non, mais... Comment on joue? J'ai lu pendant 5 minutes des instructions et je ne sais pas comment on joue. On va rester calme, je vais essayer de ne pas m'énerver, hein. Non, je ne suis pas quelqu'un qui râle tout le temps, c'est faux. Je me mets au milieu de la route. Si le bonhomme me renverse, eh ben... Et là, j'ai un icône, vous voyez, qui s'affiche en bas à gauche de l'écran. Genre, oulala. Ah, genre, il me voit, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bien compris. Il me voit pas? Il me voit pas? Putain, je comprends rien au jeu. Je suis au milieu de la route, le mec me voit pas. Donc là, je suis en mode, je lève le pouce. Putain, mais je comprends pas comment ils ont réussi à faire aussi compliqué alors que ça aurait pu être genre tellement 20 fois plus intuitif, quoi. Genre, on est dans la lumière, on nous voit. On n'est pas dans la lumière, on nous voit pas. Genre, clic droit, on lève le pouce. Pas clic droit, on lève pas le pouce. Donc là, mon icône en bas à gauche a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Là, je ne peux plus zoomer. Bon, bah, le mec passe, c'est normal, hein. Ouais, en fait, je ne peux zoomer qu'un certain temps, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux me concentrer sur mes yeux que 3 secondes. Il y a un véhicule. Donc là, ça devient hyper rouge. Mais non. Mais non, mais s'il vous plaît, mais non. Mais non, je...
Le jeu, c'est de monter dans des voitures, j'y arrive pas. Alors, on va relire les instructions une deuxième fois. Once the return fully white to enter each mode. C'est genre le truc le plus compliqué que j'ai vu de toute ma vie dans un jeu. En fait, les lumières n'ont rien à voir. On peut être sous un lampadaire au milieu de la route ou au fin fond de la forêt, ça ne change rien. Quand ça va devenir tout blanc, c'est qui nous voit. Voilà, là, je passe en each mode. Là, ça devient pas tout blanc. Et je peux pas re-hitch. Vous êtes conscient que ça, c'est censé être normalement juste l'étape ou le début, quoi. Juste pour mettre en bouche. Normalement, le jeu commence quand on rentre dans la bagnole, j'y arrive pas. Oh punaise, dites-moi qu'il y a quelqu'un à faire un let's play là-dessus. Hello there. Green, press space. Ok, je viens de regarder un YouTuber et il fait exactement ce que je fais, mais ça marche. Donc là, c'est blanc, je zoome. Punaise, on a réussi, du génie. Mais en fait, zoomer, ça sert à rien vu qu'on voit quand même pas le mec, donc c'est genre, je pensais que c'était, vous savez, genre... Good evening, child. Bonjour, mon enfant. What are you doing out there? Qu'est-ce que tu fais ici? Take a seat and let me give you a ride. Viens, prends le siège. Bah écoutez, je vais yes, get in, hein, puisque ça fait 10 ans Please, que... sit. Non mais il y a une bagnole qui passe au plein milieu de la nuit, c'est attendu, quoi, c'est génial. Le mec, en fait, il passe toutes ses nuits à passer... Ah, bon, oh mon dieu, on joue ! Tonne radio, ouais, j'allume la radio. Ça marche pas, d'accord. Okay. Mais je peux pas tourner plus la souris que ça ? Et je croyais que je pouvais regarder le type. This is a dangerous place to be hitchhiking. C'est un endroit dangereux pour... What is a precious young thing such as yourself doing out there ? Qu'est-ce que tu faisais là ? What ? Je peux prendre soin de moi, c'est une dangereuse place... what? Mais attendez! Merde, j'ai répondu... j'ai répondu un truc du style, ta gueule, tu m'emmerdes. Mais en fait, c'est la seule réponse que j'ai pas le temps de lire. C'est mort, il va m'agresser, le type. Mais je peux pas... Ah non, open glove. Je peux ouvrir la boîte à gants. Et genre, est-ce que vous avez déjà vu des gants dans une boîte à gants? Well, we have quite a ways ahead of us. C'est fermé, d'accord. May I ask... Where is it you are traveling to? Où est-ce que tu voyages? J'ai un important rendez-vous. Je vais mettre ça parce que ça fait genre on m'attend, vous voyez. Genre si j'arrive pas, ça va inquiéter les gens. Get you there before you are missed. Je vais t'amener là-bas avant que tu manques. Mais pourquoi je peux pas tourner plus la souris? Je croyais que je devais regarder le type pour pas qu'il m'attaque. I can tell by the way you are dressed and present yourself, you have ones that love. I was forsaken at birth by my mother and was raised by my father's. J'écoute pas ce que tu dis, blablabla, ton père. J'ai pas compris. Tant que j'arrive à la maison, sécurité. I mean that they do miss you. Ah oui, il te manque, je sais pas quoi. Il t'a sorti un couteau là, non? C'était quoi ce bruit? Je te regarde. I have this itch I can't control. I try to run away from it, but it just brings me to you. It reminds me of the story of the scorpion and the frog. Go faster. J'avais distrait le... Ah, il a récité un truc de la Bible. J'ai pas le temps de répondre. Ouais, tu m'as fait peur. Ça semble décès bientôt, là. Écoutez, moi, je... YOLO! C'est genre, le jeu, c'est juste ça, et on recommence? Genre, il y a un tueur, violeur. La personne saute au milieu des bois et le mec. Oh, bah tant pis, j'en trouverai une autre. Je ne fais absolument pas demi-tour pour trouver quelqu'un d'autre. Et du coup, ça me donne presque envie de faire exprès de perdre. Eh, mais c'est chaud parce que, ouais, y a pas de sous-titres et je comprends pas ce que le type il dit. Et quand il y a les propositions, c'est chaud. Le temps que je les lise, y a plus le temps. C'est encore pire que Walking Dead, quoi. Ah mon dieu, une voiture. Je sais faire de l'autostop maintenant. Je vais autostopper ce monsieur. Coucou, ça va être le même type, je parie. Le même skin. Good evening, child. Je l'avais dit. What are you doing out there? Here.
Take a seat and let me give you a ride. Plus, le mec est ventriloque, qui fait semblant de pas parler quand ses lèvres s'ouvrent. Please, sit. Super. Et du coup, c'est facile vu qu'on peut toujours se barrer par la fenêtre, non? This is a dangerous place to be hitchhiking. What is a precious young thing such as yourself doing out there? Ah bah c'est exactement la même chose qu'avant. I'm a lost sheep. Je peux prendre soin de moi. Yes, I presume you can. J'ai trop peur de voir son visage qui... Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Well, we have quite voilà, j'avais justement peur de ça. May I ask, where is it you are traveling to? Oui, il y a un bruit. Donc j'ai un important meeting. Il y a du bruit derrière là. I shall get you there before you are missed. C'est pas des traces de sang dans sa bagnole? Qu'est-ce que tu fais? Il baille, d'accord. On va ouvrir la fenêtre. Il ne regarde pas. Donc là, il récite la Bible. J'ai raté le panneau. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon. C'est un dodan. De toute façon, je vais bientôt me jeter de la bagnole. Hein. Non, tu me regardes pas. YOLO! Je sais pas ce qui se passe quand on le regarde trop, le mec. Je préfère finir le jeu en me balançant 40 fois de la bagnole que non. Et du coup, la vidéo va durer 10 ans. Good evening, child. Mais on s'est pas déjà vu. What are you doing out there? Mais en fait, vous faites le tour de la forêt, non? Take a seat and faites pas genre, on s'est jamais vu. Tiens, j'analyse cette voiture. Non, mais je guettine. Yes. Please, sit. Go faster, bah voilà. Et je fais juste un petit hop. Coucou. Eh oh. Tu parles? Quelque chose? You heretic! What? J'ai rien fait quoi. Quoi ce screamer de ouf? Et le mec en gros il veut pas me violer, il me tue. Dangerous place to be hitchhiking. Il me dit juste hérétique, c'est tout. Ta gueule. J'ai envie de mourir. Vas-y, je te regarde. Un problème. Je peux pas faire genre. Oh, regardez, je suis en train de m'endormir à moitié. Je te regarde jusqu'au bout. Then I shall get you there before you are missed. Je peux plus le regarder. Ah d'accord, je peux plus le regarder, ok. Ah, je peux cheater un petit peu, mais... J'ai pas compris comment je suis mort la première fois. On peut pas tomber sur un mec normal, vous savez, genre, c'est pas un fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il baille. Quelqu'un de normal ne... Enfin, se baille, voilà. Un gars avec des mauvaises intentions, il peut pas bailler, c'est impossible. So it has come time to ask. Ouais, je comprends pas. Oh la vache. J'ai pas le temps de lire les réponses, quoi. J'ai lu la réponse 1, la réponse 2. J'ai regardé combien de temps il me restait. Il fallait que je réponde. Ok. Le mec me demandait je dois tuer tous les hérétiques, je sais pas quoi. Est-ce que tu as peur de Dieu? Un truc comme ça. J'ai fait oui. Il a fait ok. Quelle est la pire chose que j'ai fait? Tiens, j'ai fait mal à des gens. Oh, je suis une victime, tout ça. We all have, child. Let me take you into my flock. Quoi? On a tous des enfants, laisse-moi t'emmener, je sais pas où. Mais on rentre dans un tunnel, OMG! Je peux pas me jeter, là, du coup. J'ai trop peur du screamer, maintenant. Person's faith can determine the outcome of their lives, as in the scripture of James 1:3. You know that the testing of your faith
produces perseverance. Do you believe that everything happens for a reason? Le test de la foi, est-ce que tu... Just chaos. Est-ce que tu crois que c'est le chaos ou est-ce que... ma foi... Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas. Ma foi est inébranlable, j'ai répondu. Mais voilà. Mais c'est abusé, on a même pas le temps de lire les réponses, quoi. Les mecs, faut se calmer, quoi. Ou le petit crâne qui s'est allumé, c'est... Ça m'a fait un peu peur. Encore un truc de la Bible. Es-tu prêt pour son jugement? Et j'avais pas de réponse. J'avais pas de réponse, monsieur. Du coup, j'ai hésité à me jeter par la bagnole, genre, on a un délai avant de se sauver. Mais non, même pas. You heretic! Bon, je comprends rien à ce jeu, là. Désolé, je rentre à pied! Voilà. Bon, voilà, et ils veulent faire un vrai jeu de ça. Il faudrait plus de... Enfin ouais, c'est bizarre. Déjà, faut des sous-titres. Faut plus de temps pour répondre parce que j'ai même pas le temps de lire les propositions, quoi. C'est... Oh, je clique sur un chiffre au hasard. Bon, on va arrêter là. Ça fait déjà 30 minutes que j'enregistre. Voilà, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Il y a un type bizarre. Il nous fait peur. Il nous pose des questions sur la Bible, le jugement, des trucs comme ça. Voilà, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien plus.